pratiques et de gestion efficientes au sein de nos structures et services publics, la présente cérémonie constitue un tournant décisif dans les vastes chantiers de la lutte contre la corruption et autres pratiques connexes. Vous comprendrez alors tout l'intérêt pour moi de recevoir ces rapports et de l'exploiter à souhait pour que des actions décisives puissent être entamées dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, particulièrement dans la gestion efficace des fonds et deniers publics. Mon intérêt est d'autant plus grand que je reçois fréquemment des rapports individuels de vérification qui me permettent de suivre l'évolution des vérifications et d'apprécier leur cohérence avec la vision de la lutte contre la corruption engagée par les autorités de la transition. Monsieur le vérificateur général, face au devenir de notre pays, nous ne devons aucunement envisager d'échec. Bien au contraire, car chacun doit faire l'effort d'intégrer ce cheminement salvateur et se conduire avec intégrité lorsqu'il est appelé à la gestion.